Eh bien salut à tous, c'est Hera, et on se retrouve pour un gameplay sur Sniper Ghost Warrior 2. Et écoutez, pour une fois, c'est un gameplay complètement en live, j'ai pas de partie faite avant pour tester le premier niveau, là c'est vraiment, je découvre avec vous. Et mais c'est parti, je fais tourner le jeu, j'ai regardé vite fait quand même un petit peu, jusqu'à quelques secondes. Anderson et moi, on va s'assurer qu'aucun renfort ne vienne s'incruster à notre petite fête. On se retrouve là-bas. Et je vais tourner le jeu en medium. On croit que ma carte graphique commence un peu à être vieille. Le jeu reste très beau parce que c'est du crayon Jane Free, donc c'est du... C'est des copains chez Crysis, bon, les shaders qu'on a pu voir, ça est un peu moins travaillé. La voie est libre, allons-y. Ah mais là tu fais toujours ces mouvements dans l'eau. Petites animations d'eau. Suivez Diaz. J'ai un énorme sniper dans les mains. Et Sniper Ghost Warrior, qu'est-ce que c'est? Bah simplement une des franchises les plus perfectionnées en matière de sniper. Et à mon signal. Bah c'est assez hallucinant tout ce qu'il faut prendre en compte pour les balles. Alors là je pense pas qu'on va le voir parce que c'est une espèce, ça doit être une espèce de didacticien. Retiens votre souffle pour éviter l'effet d'encul, appuyez fermement, fermement. Bon, le gars dans la cabane n'a rien remarqué. À son tour. Qu'est-ce qu'il fout? Et oui, heureusement que j'ai un silencieux. Et caméra thermique activée. Oh, bon, le petit malin. Allons-y. Attention. Oh, c'est génial ça. Il se trouve qu'on peut tirer à travers les murs. Du moins c'est une petite paroi de bois mais... Ouf. On sait si ce radar est bien protégé? À peine. Il nous bloque bien la vue. Que se passe-t-il si je joue dans les... C'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Ah là, oui, les petites fougères se déplacent quand même. Sinon, notre sortie va tourner au fiasco quand on arrivera à cet hôtel. Et je vais... la musique que j'ai mis en intro... C'est un ami qui l'a conçu lui-même, on va dire que c'est une reprise de Skrillex, si vous l'avez pas remarqué. Et franchement, je pense qu'il va faire d'autres vidéos. D'autres musiques, et si vous pouvez, passez sur son SoundCloud et followez-le. Oui, c'est un nouveau verbe. Synchronisons-nous. Je prends celui de droite. Prépare-toi. 3. Je pense qu'à terme il fera des choses pas mal. Stop. Mais il est con lui. 3 d'un stop. Il y en a trop. Faut qu'on les évite. J'ai pas vu. Il m'a fait flipper lui. Suis-moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, un bruit de bip bip? C'est des Ruskov. Parce que les Américains adorent péter la gueule aux Ruskov, mine de rien. Hein. C'est dans leur gène, ça. Ah, les herbes ont une façon bizarre de disparaître dans l'eau. Ils se plient, ils se baissent. Bouge pas. Alors, j'avais lu des petites infos comme quoi le jeu serait beaucoup plus axé sur l'arcade. Plus de fun et moins de peut-être de réalisme. Ah mais putain, je suis à 2 cm du gars. Je peux pas vraiment dire quoi que ce soit au niveau du didacticiel lui-même. Mais... Quoi? T'entends ça? De quel Américain est-ce qu'il parle? J'en ai pas la moindre idée, mais on s'en occupera plus tard. On a d'autres chats à fouetter. Allons-y. Attention. Avance, Pélo. C'est plutôt pas mal immersif la jungle, non? Oh, je crois qu'il y a un bateau qui nous arrive dessus. Bateau, couche-toi! Comment tu veux que je me couche? Je suis dans l'eau. Laisse-les passer. Anderson, suis-moi. Allez, avance.
J'aimerais avoir. J'ai envie de fuir. Je pense que les killcams, enfin les killcams, l'espèce de bullet cam sont toujours là. Je l'espère. Parce que c'était franchement pas mal de pouvoir suivre les balles. Putain. Je sais pas si les problèmes de retard de détection ou si c'est moi. Prends le plus proche et laisse-moi l'autre. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ouf. Pour une exécution furtive. Lolololo. Et l'autre il a rien capté. T'as le seum. Tiens. Voyons un peu. Il y en a plusieurs autour de cette bande de terrain au centre. On approche avec prudence. Là, ça sent la petite position de snipe, non? Toujours pas. Attention, la cible approche vers nous. Prends-le. Attends, le bateau est pas loin, ne tire pas. Oh et putain. Merde. Oui, je sais. On attend qu'il bouge. Qu'est-ce que... Mais... Il se ramène. Je me demande s'il y a des... comme dans Snake... Ne tire pas. Dans Sniper Elite V2, je me demande s'il y a des points faibles au niveau des véhicules qui leur permettent, qui nous permettent de les faire exploser en un coup. Je me le demande, voyez-vous. C'est pas passé loin. Le bateau est parti. Descends ce gars avant qu'il ne revienne. Lequel? Bon, le mec sur l'acheté est tout seul maintenant, sans arme. Lui là-bas? Parti mon kiki. Je suis étonné de pas avoir encore eu de camion. Voyons, il va. On peut y aller. Tire. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a de plus linéaire, hein, j'ai envie de dire. Sur la gauche. On les descend en même temps. Ok, ma poule. Je suppose que cette fois-ci, c'est moi qui prends l'initiative. C'est plus ta gueule. Bon boulot, allez, on y va. Allez, ma biche. Résort 3-1, situation. Ici 3-1, très peu de résistance ennemie sur le terrain rive ouest. On sera au rendez-vous à l'heure prévue. Terminé. Bien reçu, 3-1. Gardez ce rythme, Keller. Super. Reste baissé. Oui. Avec ces deux-là sur leur bord, on pourra pas avancer sans se faire voir. Prends celui de droite. Je m'occupe de l'autre. Pour l'instant, on ne montre pas grand-chose d'extraordinaire, j'ai un peu le seum. Putain, j'étais en calme, en plein milieu du front, mon pote. Suis-moi. Mais regardez qui voilà. Je pense qu'on va devoir passer en dessous de lui, voilà, tout ça. Ne tire pas. Un peu. Comment ça attend un peu? Oh putain. Sous l'acheter. La petite séquence infiltration, un petit peu useless. Reste baissé. N'attaque pas encore. Allons-y. Attention. Mais oui, mais... Pète les couilles. À gauche. Putain, pour le qualité plus que médiocre des herbes, hein, franchement, c'est pas très beau. Hein. C'est coloré et tout, mais. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Faut que j'aille sur la gauche. Attention. Ennemi devant. Élimine-le discrètement. Compris. Et le mec il pourrait le faire lui-même quand même, c'est abusé ça.
Насколько все плохо? Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, само пройдет. Да ладно, мы же не в армии, коллег не держим. Ah, le bip-bip, ça se déclenche lorsque vous vous faites détecter, enfin du moins que quelqu'un est suspicieux envers vous. C'est quoi ça? Avion civil, très vieux modèle. Ça a pas l'air stable. Tu crois qu'on peut s'installer ici? On n'a pas vraiment le choix, c'est... Oh merde! Finis ça vite fait et on remballe. Je vais rien branler, moi j'y vais direct. Quoi. Comme un ouf. Voyons un peu. Ne tire pas pour l'instant. Ah, ça c'est plutôt sympa. Ça va pas être facile. Ça l'est jamais. Le côté droit du camp, c'est hors de question. Dans l'eau, on serait trop exposé. Il nous réduirait en morceaux. Le côté gauche, par contre, ça devrait... J'ai détecté un mec là. J'ai même de mes couilles. Bien, on peut réduire leurs effectifs. Okay. Tire à mon signal. On doit être très précis. En finesse. On va commencer par s'occuper des deux qui réparent le bateau sur la rive. Descends d'abord celui à côté du moteur. Oui, ma chouille. Maintenant, abat le second. Quoi, il a même pas remarqué, genre le mec a une balle qui l'a limite frôlé. Oh, ça manque de... Ça manque de bord. Attendez, je vais vérifier dans les options s'il n'y a pas un truc pour les... Ça paraît bizarre. De certains tirs au cours du jeu. Alors ça, c'est moins fait. On sent le vieux script. C'est obligé, il m'a repéré, lui, non? Il me regarde genre trop chelou. Regardez à gauche. Ce mec tourne autour du bâtiment comme un vautour. Attendez qu'il soit derrière le mur de gauche. Ah d'accord. Deux soldats qui traînent autour de la maison. Tu les vois? Pour l'instant, que envoie du script. Une balle dans la radio nichée sur le mur droit. Ça va faire diversion. Quoi? Oh bah donc. Oh oh. Tiens ta gueule. Descends-les maintenant. S'il monte son cul. Oh, ah bah ok, bah tout de suite je vis son cul, genre voilà. Élimination. Bah normal. En fait, c'est des bullet time uniquement pour les vis là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Plouf. Avant de manquer d'air. Oh, ouais. Putain, mais j'étais vachement bas en fait. Vachement profond. Putain de merde! Allez, on file, ils vont fouiller. Si je suis pas réparé avec ça. Ouais, mais là c'est moins cool. Ah non, c'est bon. Oups. Oh my fucking god. Laisse tomber, on doit rester caché. Mais ferme ta gueule. Ah, c'est tendre, j'ai envie de leur péter la gueule vraiment. Là. Ok. Deux ennemis assez proches pour arriver. Sois discret. Non, 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 non. Et si je... Peut-être que je peux les abattre en... Joli. Allons-y. Attention. Genre le mec, je l'ai buté en lui tirant dans le bras. Oh. Puis, franchement, ça mérite un like, hein, ça pour le coup. Je demande pas souvent des likes, mais alors là, je crois que je m'aime, hein, un petit peu quand même. Oh putain, c'est... Je me fais détecter trop facilement. On a besoin d'une diversion pour aller jusqu'à la plage. Mettons du C4 dans la maison.
La diversion devrait ouvrir une brèche dans leur défense. Compris. Parce qu'ils ont mis du... doublage français, je crois. Un petit peu plat, quoi. Ok, les explosifs sont prêts. Ok, il est temps de bouger. Les voix sont bonnes, j'aime bien leur voix, mais... Au niveau du ton des voix, bon, c'est un peu... toujours pareil. Poison du Seiya, tuons-les. Oh mon dieu. Petit peu blasant. Ah oui. Et là, je fais quoi? Je crois dans un Call of, Раскрой свои чертовы глаза пошире и держи руку на спуске. Понял меня? Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. А магиза. Думаешь, сделка босса сорвется? Может, покупатель испугался? Не. Мне говорили... Ça me bousille les yeux, cette vue, vraiment, c'est horrible. Fais sauter le C4, Cole. Oh putain. Laisse-les passer. Genre, il m'a pas vu. Il est bon passé à côté de moi. Quoi. Allons-y. Non, il y a un mec à buter là, non? Oh non. Ça va simplement passer à travers le camp. Putain. Dans l'eau, vite. Dans l'eau? Qu'est-ce que c'est que cette eau poivre? Je pense qu'on les a semés. Oui. Au-delà des ruines, il y a la jungle. Et après, c'est tout droit jusqu'à l'observatoire. Putain, on dirait vraiment le début de Ghost Warrior, le tout premier. Mais les mêmes ruines, ça y ressemble beaucoup. Ghost Warrior, le 3000, qui était un petit peu minable d'ailleurs. Surtout le multijoueur où il fallait plomber un mec de trop. Je me rappelle lorsqu'il y avait plusieurs types de snipes, des snipers légers, des snipers lourds, enfin des fusils de précision, excusez-moi. Et lorsqu'on prenait un fusil lourd, il fallait 3 balles pour plomber un mec lorsqu'on faisait pas de headshot. Et il fallait 5 balles pour les fusils légers, c'était du n'importe quoi. C'est bon, go. Du pur n'importe quoi. Très très mauvais. Contact, on les descend en même temps. Vas-y, je t'en prie. Ennemi abattu, on avance. Moi j'ai. Ah putain, j'ai pas beaucoup d'images par seconde, j'en ai 19 là. La voie est libre, allons-y. Pas beaucoup de rafraîchissement d'images. Si j'avance la tête en l'air, je gagne 15 images. Ah non. Sur le terrain, reste baissé. C'est vraiment une phase d'infiltration, une phase de tir à la mort moelleuse, une phase d'infiltration. Ou c'est vraiment scripté. Oh, il se tourne, avançons. Ah, ça veut dire drôle peut-être. La voie est libre. Frishtiyo. Ouh, on peut ramper, je savais pas. Trop bien, Vich.
Ne les attaque pas tout de suite, on les aura facilement. Bien reçu. Mais donc, il court comme des petits lapins, ceux-là. Donc, je vais me retrouver face à un seul mec. Tire. Pourquoi je tire? Bon, il tire dans les fesses. Oh, il est en soutien, le gars. Pour le coup, mec, je vais trouver le bal trou là, mais. Sniper sur le clocher. De là, il a une bonne vue. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ou c'est bueno ça. Là, c'est un gros kill. Se calmer. Oh, je bloque. Quelques ennemis éparpillés sur cette zone. Descends-les. Un peu déçu des bullet cam pour le coup aussi parce que elles sont trop rapides. C'est dommage. C'est plus rapide. Est-ce que je peux faire exploser quelque chose? Ah non, mais je peux faire exploser quelque chose quand même. Même pas. On tente le tout pour le tout. Et merde. Et je ne vois pas les ennemis. C'est la jungle ici. Zone sécurisée. Trésor, uniforme. Oh, c'était beau ça. Uniforme, on est en sécurité. Ennemis neutralisés ou occupés à autre chose. On continue vers le rendez-vous. Bien compris. Encore une fois, je pense pas que ce soit le jeu de l'année. Ok, Cole, je m'arrête ici. Je vais porter renfort à Keller et son équipe. C'est plutôt sympa, c'est sûr. De... Bonne chance. On aura vu plus moche, on est d'accord, mais je... En fait, j'ai l'impression que les développeurs, ils n'ont pas réussi à prendre leur propre voie dans le développement du jeu. Ils se sont dit, on va faire un petit peu arcade à la Call of, parce que les gens, ils aiment ça. Mais on va garder le petit côté réaliste, moche en sniper avec la gravité, etc. Comment dire, Sniper Elite V2, il a réussi à aller par là, justement, à faire un petit mix des deux. En gardant le côté on garde un côté fun, là, je sais pas. Je sais pas, j'ai un peu... Là d'accord, c'est du FPS, c'est TPS, c'est une différence, mais je sais pas. Pour moi c'est du... Putain, je vais me noyer là. J'ai l'impression que les développeurs, ils ont pas su trop quoi choisir, et du coup ils ont fait un jeu un peu par défaut, quoi. Je vais me noyer, quoi. Et vraiment. Bon, le gars, il est pas foutu de mettre la tête hors de l'eau, quoi. On est bien plus qu'un pauvre sniper, on a un soldat de l'extrême, c'est fou ça, c'est Man versus Wild ici. L'avancée dans l'eau, c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas. Ouch. Oh, il a arrêté de siffler là pour le coup. Et retourne-toi, bitch. Putain, le mec, comme il se décale. Je sais pas jusqu'où je pourrais continuer ce gameplay parce que pour l'instant il n'y a rien d'extrême. Alors, s'il faut, je ferai une partie 2 peut-être. Quelque chose de plus épique parce que pour l'instant, bon, c'est. Wow. Je suis dans l'église. Je me dirige vers le clocher. Ça. Ouais, le clocher, je l'attendais celle-là. Ce site radar est sous haute protection. Je vais voir ce que je peux faire. Anderson, terminé. C'est tellement donné. Et là, c'est Let's Play Have Fun, quoi.
en position. Pour vous installer sur l'emplacement de tir. C'est quoi le plan d'action? Keller, je prends la tête. 3-2, vous avez un visuel sur notre position? j'ai le bip, il est carrément là. Compris, je vous vois. Ouvrez notre avancée sur plutôt les cool. Cortez et Nichols, vous venez avec moi. Diaz, montez la garde. Vous autres, sécurisez cette zone pour récupération. Je ne peux pas viser très bien. Compris. Je vais essayer de vous éliminer quelques cibles. Un ennemi sur le débarcadère droit devant nous. On tire pas. Ah bah d'accord. On ne tire pas. Attends un peu. Mais j'ai un sniper, bitch. Il y a quelqu'un d'intérêt de nous attendre. On est derrière la jetée. Descends l'ennemi en patrouille. On s'occupera du corps. Et là, je sens la bullet cam de ouf. Je suis déçu. Anderson, ennemi près de la première hutte sur la plage. Attaque pas tout de suite. Attends, oui. La première hutte. Tire-leur dessus lorsqu'ils sont dos à dos. Nous devons rester dissimulés le plus longtemps possible. Ils sont... Tire. Repérez l'autre. Ouf. Où ça semble la bullet cam magistrale. Ça marche. Reste bien discret. Je lui ai décroché la nuque, le pauvre gars. Ennemi sur la gauche, sur le balcon. J'ai vu que pour le tournoi, vous avez été vraiment plus. Tue-le avant qu'il sonne l'alarme. Non. Vous avez été vraiment nombreux à vous abonner et à poursuivre le tournoi. Et. C'était beau là, en vrai c'est vraiment. Ça te prend au corps là, t'as presque mal pour le gars. Mais tu kiffes parce que tu sais qu'il souffre là. Anderson, situation. Le champ est libre. Affirmatif. Diaz, prends la garde. Je le sens déjà d'ici que je vais pouvoir perpétrer cette putain de cité. Vers le prochain point de contrôle. Il y a des yeux tout autour de vos têtes. Contact. Ne vous fais pas repérer. Comment tu veux que je me fasse repérer? Je suis en haut d'un clocher. Genre. On est dans la merde s'il nous repère. Reconnu. Ouais. Entre autres. Mais genre s'il se met à l'intérieur, personne ne le verra mourir. Mais qu'est-ce que. Et si je bute le mec qui est au volant? Putain fuck. Putain mais fuck. J'ai aucune ligne de visée, ça m'énerve. Envoie-le. Ah putain, mais il se déplace. Tire. Là, vous étiez sérieux, la biche. Ennemi abattu. Comment j'ai galéré? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le viseur et lui m'indique n'importe quoi, visiblement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un truc plutôt con, quand même. On t'attend, Cole. Oh merde. Reviens, que je te la doublote. On attaque. Dégueu. Zone nettoyée. Quelqu'un arrive, à couvert. Où ça? Dis-moi tout. Droit devant, deux hommes. Dis-moi tout, ma biche. Ne laisse pas sonner l'alarme. Sors-le avant qu'il soit trop tard, Résor. Éliminez, vite. On voit la balle partir quand même. Attention. Au ralenti. Je suis dans la mine, j'ai failli de tuer. Cole, je me dirige vers eux, couvrez-moi. Yas, j'ai deux ennemis sur ton champ d'opération. Le premier sur la plateforme près de toi, le deuxième sur la passerelle. Je m'occupe de celui-là. Reçu. Ah mais... J'ai pas réagi. Spank! Ah, j'aurais visé la tête, je suis sûr qu'il aurait fait un petit salto arrière. Trois ennemis en face. Attendez, on va voir ce qu'ils font.
les randonnions. On attaque. T'es gueule. Mais qu'est-ce que... Ok. Presque en position. Nous devons éliminer le reste des amis. Deux ennemis me bloquent la route. Tue-les quand la sentinelle aura le dos tourné. Compris. Non mais là, si j'en putain, on ira là. Genre, il a même pas capté l'autre. C'est du sauvetage, ça. Ça, c'est juste du sauvetage, quoi. Merde. Merci, mec. Je te dois une guerre. Ouf. Je m'en souviendrai. Kiss my ass, bitch. J'étais en liaison avec les gars. On se prépare à attaquer le radar. Tu me reçois? Donc là, il y a un... Je te couvre. Mais il est tout seul? Non, il est pas tout seul. On attaque. Éliminez ces enfoirés. Bonjour. On attaque. Oh. Vous avez entendu ce cas? Boif. Quelques trucs, j'ai pas le, le stress ou qui pourrait faire que ce soit un peu plus épique. Je le vise la tête, juste la tête. Tiens, couché de l'eau. Allez, en avant. Alors, j'ai certes, j'ai mis en mode chambon de médium de difficulté, donc peut-être pas ce qu'il y a plus de plus éprouvant. Objectif atteint, maintenant je télécharge le virus. Et cette vidéo, je sens qu'elle va durer encore longtemps. Oh mon dieu! Condition météorique. Deux secondes, il y a du nouveau. Ça va vous intéresser. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот. Отведи его. Мы идем к вертолетной площадке. С ним ничего не понял. Окей. Я готов спорить. Если он. Если его choper, il va y avoir du sang sur les murs. Oh, en bas. Придется опять отмывать. Bah, s'il vous plaît, quoi. Il faut qu'on envoie ces données au commandement. En courant. Anderson, vous y allez, vous continuez jusqu'au point d'échange. 3-1 descendra les ennemis qui restent et vous rejoindra en bateau. Et bien voilà, tout simplement. Temps de jeu 30 minutes, c'est quand même pas mal. J'espère que vous avez aimé. Malheureusement, ce gameplay ne montre pas non plus grand chose. Bah, il montre le didacticiel, l'avancée en jeu, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous fais des bisous. Abonnez-vous, likez, ça nous fait tous plaisir. Et voilà. Salut, salut. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Like. Sinon, je te siphonne l'anus avec une paille.